Bah, le problème avec la stratégie d'EDF, c'est qu'il n'y a pas de stratégie. Ou plutôt, on s'enferme dans le nucléaire, au risque de mettre toute l'entreprise en faillite. Alors, il faut imaginer la catastrophe pour les salariés, mais aussi pour tout le système électrique français. Enfin, on ne sait pas comment faire. Et là, clairement, à s'entêter sur le nucléaire, avec le naufrage à Areva, avec l'EPR de Flamanville, le nouveau réacteur soi-disant au top, mais qui est menacé en fait tout simplement, c'est un naufrage industriel, avec le grand carénage, le fait de prolonger les centrales encore 10 ans alors qu'elles sont fragilisées, avec Hinkley Point, c'est 22-24 milliards d'euros, et c'est encore le contribuable qui paierait s'il y avait des décalages dans le chantier, on met EDF en réel danger. Et pendant ce temps-là, on ne prend pas le virage des énergies renouvelables, alors que c'est ça qui peut assurer évidemment la souveraineté, l'indépendance énergétique, le développement d'emplois non délocalisables, et puis un véritable développement de l'énergie.